Hey, salut c'est Flamme, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phénix, j'espère que vous allez bien, moi je pète le feu aujourd'hui, j'espère que vous aussi, et on se retrouve pour l'épisode 3 sur Street of Rage 4. Donc vraiment très bon jeu, on a déjà tourné 2 épisodes sur le mode histoire, et là on va s'attaquer, je pense à la fin, hein. Je pense qu'on va être sur le dernier épisode, on devrait boucler ça sur cet épisode, et s'il faut on en fera un quatrième, y'a aucun souci, et là on va s'intéresser à un autre personnage pour jouer le mode histoire. Alors pour ceux qui ont regardé les 2 premiers épisodes, on avait joué Axel sur l'épisode 1 et Blaze sur l'épisode 2, et là on va s'intéresser à un nouveau personnage, un nouveau personnage à jouer sur ce Beat'em All qui est fabuleux, vraiment fabuleux ce Street of Rage. Alors si on peut jouer Adam j'avais envie de le jouer, parce que c'est vrai qu'il a l'air sympa, il est assez charismatique. Floyd qui est vraiment cool aussi avec ses gros bras métalliques, hyper puissant, hyper mastoc. Et on a Sherry qui est pas mal aussi. Alors sachant qu'on avait joué Blaze, on va alterner, cette fois on va jouer un mec, on va jouer un gars, hein. Allez. On part sur Floyd, il me tente bien. Avec ses bras métalliques, ça fait depuis le premier épisode que j'en parle. Et on va le jouer pour ce mode histoire. C'est parti, cinématique. Petite cinématique qui est un peu court. Et là, on arrive sur le 11e stage chez Patchy. Ah ouais, il balance carrément. Oula. Carrément les ennemis. Il est assez vif. Ah d'accord, en fait ses coups spéciaux, c'est. Oh là là, par contre je perds trop de vie. En fait on chope les gars directement, c'est un catcher. Carrément un catcher. Regardez. J'attrape lui là. Ah non foiré. Ah non foiré. Alors si je fais les coups en l'air, ça donne quoi? Ah ouais! Carrément des charges électriques. Mais ça enchaîne, ça enchaîne. Ok. Alors non, t'es pas. Je me suis planté en fait. C'est cool, spécial, c'est ça. Ok, c'est pour ça que j'y arrivais pas. J'ai eu un problème. En fait, c'est cool spécial. C'est les ondes électriques violettes. En fait, je faisais que du catch, que attraper. Ça va aller mieux maintenant. Allez, c'est parti. On va essayer de bien se mettre dans le bain. Faire les choses correctement. On a fini pour l'ascenseur. Qu'est-ce qui nous attend par la suite, les amis? Allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Oula. Oula là. Il y a du monde en face. Ah, j'ai carrément pris des coups de jus. Allez. On va essayer de casser un peu tout ça. Allez, on saute, on saute. Ah, j'ai pris un coup de jus. Alors par contre, son coup spécial, il est lent. Il est très très lent par rapport à Axel et Blaze que j'ai pu jouer sur les épisodes. On va récupérer un peu de sous-sous. Un peu de vie aussi. Par contre, au niveau de son attaque pour sauter, elle est magnifique. Ah, je voulais esquiver l'électricité. C'est pas ça qui est ça. Arrive-toi. Oula. Ok, ça c'est fait. On a fait exploser les tonneaux, les amis. Impeccable. On continue. Les sous-sous. Ah, j'aime pas lui avec son revolver à chaque fois.
Oh. Je crois qu'on est dans un avion. Et ça va faire boum. Allez. Oh, le petit combo qui est sympa, j'aime bien. Ça y est, je commence à être bien là. Je commence à être à l'aise. En vrai, le taser, j'en ai pas vraiment besoin. Avec les dégâts qu'on fait. Oh, par contre. Ah, j'ai pris une balle. Ah, c'est lui que je veux là. C'est lui qu'on veut. Catch. Attrape. On a attrapé, on a chopé ça. Les musiques toujours autant intéressantes. Oh. T'as essayé de me sauter dessus. Après, avec les attaques de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on dirait qu'il y a une petite zone électrique. Ok. On va pas retourner dessus. On va casser les fauteuils, voir s'il n'y a pas des sous. Bon, il faut faire attention. Là où j'ai cassé les fauteuils, il y a des zones électriques. Oh. Oh, je vole. Je vole, les amis. Ok. Ouais, rigole pas, hein. Ouh, ça fait mal. Est-ce qu'elles ont avec leur fouet, elles? Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, il est quand même costaud, le petit Floyd, j'aime bien. J'essaie d'alterner un peu les touches pour qu'on voit les différents combos. Et là, je pense qu'on va arriver au boss, les amis. Ça y est, c'est parti. Ok. C'est quoi ce rire? Monsieur Y, c'est parti. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. 21 coups. Carrément lance-roquette, quoi. Et je m'en sors mieux sur le boss que sur les mobs, quoi. C'est trop bien. On va l'avoir fini? Non, déjà. Quoi, tu rigoles? Ouais. Oh lolo, les amis, c'était pas mal. Ce petit boss, on l'a fait facilement. Comme une lettre à la poste. Ça, j'aime bien. Nickel chrome. Donc, le stage 11 est terminé. Alors, je pense qu'on n'aura pas une bonne note parce que je me suis planté au début. Ah, si. Classement S. Parce que j'ai dû bien me rattraper, à mon avis, sur le boss. Impeccable. Et là, je pense qu'il y aura une petite cinématique. Je vous laisse découvrir ça. C'est pas le dit. Ok, on arrive sur l'île Y, là où l'avion s'est crashé. On va voir si
Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, ça c'est fait. Viens, prends ça mon pote. Putain, toi aussi. Et je commence à être bien. C'est toi que je démarre, hein. Je suis en mode diesel au début, mais après, t'inquiète, hein. Il y a du 200 chevaux sur le capot. Voire plus, peut-être, je sais pas. Allez, on avance un peu. Sympa les petits sauts là pour se déplacer. Ça va beaucoup plus vite. Oula, je voulais pas aller aussi loin. Gotcha! Ah ok, le petit combo quand on fait l'électrique. L'électricité, oui, sur le mob. Et ben ça le fait aux alentours. Aux adversaires, c'est pas mal. Bon, je prends la pomme et j'en ai pas besoin. Pour une fois que j'en ai pas besoin. Reste là, toi. Ok, j'attaque qui? Ok, go. Regardez s'il n'y a pas quelque chose à récupérer au niveau des motos. Oula, il y a un grand, grand portail, les amis. Je sais pas ce qui nous attend, mon ami. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Alors. Eux, je les aime pas, eux. Oh! Allez, prends un coup de jeu, mon pote. Oh, le combo, il est magnifique, en fait. Il est excellent, son combo, j'adore. Pas mal. Effectivement, ouais. Oula. Carrément l'épée. Et il balance aussi lui maintenant. D'accord. Ok, pourquoi pas. On va commencer à être pas mal là. Il y a du monde là. Il y a du monde. C'est quoi ce rayon laser? C'est son ulti, les amis. Je m'y attendais pas. Et bah c'est pas mal ça. Oh, t'es qui lui? Le petit barbeau, il met des coups de jus. Oula, oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris beaucoup de dégâts d'un coup là. J'aimerais un petit peu de vie du coup là. Ah, le petit poulet qui fait plaisir, les amis. Impeccable, on continue. On sent que ça commence à monter d'un cran quand même. Oula. Ils ont l'air chaud, eux. Ah, il me balance quoi lui? Eh, calme-toi, calme-toi. C'est pas fini. Ah mais ça c'est galère ça. Je suis obligé de sauter parce que on va spammer la touche, c'est pas grave. Ah, ils sont vifs en plus. J'arrive pas à le toucher. Reste là toi. J'ai galéré à le toucher, les amis. Oula, non. Il roule à chaque fois, j'aime pas. Ah, l'autre qui crache du feu. J'essaie de le choper. Et il a fait carrément le saut de l'ange, quoi. Par contre, faut...
Ah, on va essayer de récupérer le poulet avant que ça. J'ai raté. Je voulais éviter de perdre de la vie et je me suis planté. Oh, le petit combo qui est sympa. Aïe, aïe, aïe. On sent que ouais, ça bouge plus. Arrête de bouger. Et il bouge dans tous les sens, j'arrive pas à l'avoir. C'est bon. Là, t'as toute la vie que tu veux, hein. C'était avant que j'en avais besoin. C'est pas grave, on récupère quand même. Voilà, y a plus de son, y a plus rien, à mon avis. On va arriver sur un boss qui va être intéressant. J'espère que je vais pas trop galérer. Oh, tu sors d'où, toi? Tu sors d'où? Du coup, je perds un petit peu de vie bêtement. Ok. C'est parti. Miss Y. Ouais, on va mettre un peu de coup de jus là-dedans là. Ouais, on tente le rayon laser. Oh là 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 là, que j'adore ce tulti. On dirait un Kamehameha dans... Comme dans... Oh, c'est quoi ça? Oh lolo. Aïe. Aïe. Arrête pas de bouger dans tous les sens. Allez, allez du coup du jus. Aïe aïe aïe. Ah, rigole pas. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Ok, je pensais que c'était le dernier boss. À chaque fois, il y en a toujours un qui reste. Il reste toujours un petit mob à la fin. Apparemment, c'était pas le boss final, de ce que je viens de comprendre. Oula. Ok, on affronte les deux Mrs. et Mr. Y. Ouais, pour ça, il me paraissait un peu simple aussi, je me disais. Pas manger son roquette dans la tronche là. Allez, c'est parti pour le fight sur Street of Rage. Je crois que c'est le combat final, les amis. On y va. On envoie le pâté. On va les défoncer. Allez, ça c'est cadeau. C'est pour vous, les gars. Allez, bima! Ah, rigole pas trop parce que je vais te plumer. Qu'est-ce qui se passe? Une petite interaction, je peux plus bouger. Oh! Carrément quoi! Il est en mode scorpion, les amis. Ça rigole plus. Et du coup, je fais comment? Ah, ça fait mal. Là, je fais un peu moins le malin là, du coup. Eh, il fait mal avec ses. Ok, je peux y casser à mon avis. On va bourriner au maximum, hein. Essayer de faire le plus de dégâts possible.
Oh lolo, cet enchaînement, les amis, c'était magnifique. C'était magnifique, j'ai bien aimé. Ça explose de partout. Allez, je vous laisse le petit générique de fin. Street Earthrage 4. Ah, comme vous pouvez voir, effectivement, il est pas long. C'est vraiment une petite histoire vraiment bien sympathique. On est vraiment dans l'esprit du défouloir du beat Semo là. Vraiment. Mais c'était vraiment cool. J'ai plutôt bien aimé ce petit moment. Pour le générique après. On va le passer un petit peu. Allez. Et un petit classement S, les amis. On termine bien. Et on a débloqué, comme à l'ancienne qu'on avait connu sur Sega, Axel. Dans le premier Street of Rage, hein, il était sur Sega, les amis. Ça rappelle des souvenirs. Dites-moi en commentaire si vous avez connu les Street of Rage sur Sega Mega Drive 1, 2. En tout cas, moi, ça me rappelle de très très bons souvenirs. Et bien, on va profiter qu'il nous reste un peu de temps pour voir un peu les différents modes. Voilà, chercher mes mots. Les différents modes. On a par exemple le choix du niveau. On a tout déverrouillé, on peut les refaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut choisir le mode de difficulté. Hein. C'est vrai qu'on avait fait un peu en mode simple. Par contre, j'avais déjà fait la première fois en mode normal. Là, je l'avais fait en mode facile pour vous présenter ça. Par contre, j'ai pas fait un gros score en mode normal et que du C. Après, c'était la première fois que j'y jouais. On a un petit mode arcade aussi. En mode arcade, vous avez un crédit pour terminer l'histoire sans sauvegarde. Ah ouais! Le défi ultime comme au bon vieux temps, êtes-vous à la hauteur? En fait, on refait un peu à l'ancienne, hein. Dès qu'on perd, on recommence. Et c'était un peu, ouais, vraiment l'esprit du Street of Rage. Donc ça, pourquoi pas un jour vous faire un peu du hard gaming là-dessus et pousser à fond le truc. Mais il va falloir vraiment que je maîtrise à 100% les personnages. Hein. On peut refaire aussi les combats des boss. Donc on a ce mode-là, on peut revisiter les combats des boss, c'est très intéressant. Un petit entraînement pour redécouvrir d'autres personnages. Le mode duel, vous pouvez affronter d'autres joueurs, vous pouvez faire du multijoueur également. Ils avaient fait aussi un petit DLC avec le cauchemar de MX est désormais disponible. Donc il y a possibilité de l'acheter sur le Nintendo Store, Nintendo eShop plutôt. Donc préparez-vous à sauver une fois de plus World Oak City avec... on a deux nouveaux personnages jouables, Max et Shiva. Oui, Shiva on l'avait vaincu, c'était l'un des boss. Max aussi je crois. Et un nouveau mode de survie avec des défis hebdomadaires. On peut personnaliser les personnages. Et il y a quelques nouveautés au niveau des armes, des ennemis et des techniques. Donc ça, c'est un petit DLC qu'on peut faire facilement. Alors, on a des extras. Quels sont les extras? Ça charge. Ça charge, ça charge, ça charge. Ça charge encore. Ça n'a pas bugué. Ah, les galeries, c'est des galeries en fait. On a différentes galeries comme vous pouvez le voir. Galerie Hero, c'est quand ils ont fait la conception du jeu à mon avis. Ça c'est sympa à voir également. Les différents croquis, les différents dessins qu'ils ont fait au niveau des studios. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien. Et bien sur les options, si on veut faire quelques réglages audio, vidéo, langue, mais on était vraiment à la hauteur sur ce Street of Rage. Donc voilà les différents modes. Alors d'habitude on monte ça au début. Bon écoutez, il n'y a pas de règles des fois. Je vous présente ça à la fin. Donc j'espère que le mode histoire vous a plu. Moi j'ai bien kiffé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, lâchez vos plus beaux pouces bleus. Un petit commentaire qui font extrêmement plaisir. Et pour ceux qui découvrent la chaîne Les Petits Phoenix où tu cliques, tu geeks, tu likes, et ben tout simplement abonnez-vous pour voir tout le contenu que je vous propose sur les différents let's play, les différents gameplay découvertes et bien sûr les unboxings. D'ailleurs, il y en a un qui arrive très bientôt. Donc un petit bonus sur Zelda, sur l'une des consoles. Je vous en dis pas plus.
J-2 les amis, J-2 pour un unboxing sur la console Zelda. Allez, à très vite, salut tout le monde.